Ah, mes fratés, d'ailleurs, vous savez que depuis que je suis devenu le pro du canapé et le pro des séries, j'ai une très bonne série à vous conseiller. Donc, bougez pas. Je fonce sur Netflix. Je vais vous faire un petit tour là de quelques séries très très bonnes à voir. Ok, on y est. Alors, les fratés, on commence. Fubar, très sympa. Ah, c'est rigolo. Mais vraiment celle-là, El Silencio, ça, je vous recommande les fratés. Ça, c'est vraiment une série de dingue. C'est vraiment à voir. Je vous la recommande, mais alors à 100% celle-là. Ça, c'est à voir les fratés. Et celle-là, Fubar, les fratés, c'est plus une série... avec de l'action, mais genre un peu rigolo, un peu à l'américaine, quoi, un truc un peu spécial. Mais ça va, ça se laisse regarder, il y a 8 épisodes. C'est sympa. Bon, frate, en tout cas, je suis content là, j'ai mon chauffeur qui vient d'arriver. Ouch! Oh! Ah, j'étais pas prêt là. Il m'a ramené mon café. J'avais plus de café. Ah, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Alors, c'est parti. Donc, déjà. Mon préféré, c'est la vanille. Voilà. Voilà, la vanille. Ça, qu'est-ce que c'est? Buenos Aires. Rio. Tokyo. Tokyo. Paris, non, vanille. Paris. C'est quoi ça? Vanille. Alors voilà les fratés, vous l'aurez compris, on a Paris, Rio, Buenos Aires, Tokyo et Vanille. En tout cas, je fais une surprise à Thiago parce que c'est vrai qu'il a eu pas mal de Lego pour son anniversaire et j'étais pas en forme. Donc là, il n'est pas à la maison, il s'amuse tranquille, il est sorti de l'école, il s'amuse. Donc je me suis mis à la construction de Lego. Voilà. Au moins, il va rentrer, il va être super content. Donc en même temps que je fais petite construction de Lego, ici. J'ai mon petit tennis là-bas. Allez les fratés, en tout cas, Roland Garros, ça a repris. Alors là, je vais kiffer. Là. Je vais me faire ce petit France 2. Je vais kiffer. Roland Garros est à moi. Allez Benoît, allez mon fraté. Tu vas le faire, on le sent, je le sens bien là. Let's go. C'est un gros match, hein. Très gros match. Frater, du coup, aujourd'hui. Oh là, mon téléphone est un peu sale. Hein. Attendez. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on part à la clinique se faire checker. Mais qu'est-ce qu'il a, mon téléphone? Pourquoi c'est sale? Ah, voilà, c'est mieux. Donc, je disais, aujourd'hui, on part à la clinique se faire checker. Regardez la tenue que j'ai mis. J'ai mis une robe à Manon. En fait, j'ai pas de vêtements. Le seul vêtement que j'ai, il est au sale. Celui que j'avais hier pour l'anniversaire de Thiago. Il est toujours pas sec. Donc, du coup, attendez. Mais le bouton, vous allez voir. Vous allez rigoler. J'arrive pas là. Ah, ok. Ah, petite manche à strass. Très chatcheur. Petite chose comme ça, la dernière modèle Dolce. Ah, là, on est max. Mettre une casquette quand même. Les fratés,
Ah oui, j'ai fait la petite coupe. Petite lunette. Je dirais presque que je suis frais. Pas du tout. Ben voilà. Allez les fratés, aujourd'hui c'est parti, on fait le massage de la clinique. Je suis pas prêt là. Franchement, je suis plus à l'aise à la maison. Là, ça fait vraiment, on dirait que je vais me refaire une opération là. Allez les fratés, comme tous les matins, on attaque le café, la matinale. Café matinal Roland Garros, c'est parti. Ouais les fratés, en tout cas, ce matin c'est Manon qui commence le massage en premier. Donc du coup, il faut que je lève ma gaine pour la faire laver. Je déteste. En fait, je n'ai pas encore l'habitude de ma peau. Genre, elle est cartonnée, donc si je lève ma gaine, après, ben, j'ai ma peau qui colle ça, quoi. Très spécial. Je crois que j'ai plus l'habitude. Je ne me rappelle plus comment on fait déjà. Parce que hier, je me suis pas fait masser à la maison. Je suis parti à la clinique. Du coup, d'habitude, quand elle me masse, ta-ta-ta. Après, non, j'ai pas ma gaine. Hein. Bon, allez, faut le faire. Alors là, mes fratés, j'ai levé la gaine, du coup, pour partir à la douche. Pour que la gaine parte à la douche. Bon, ça sera après. Et là, il me reste plus que le petit genre de coussin. C'est très bizarre. J'ai des pads en dessous, là. Parce que la gaine, ça me fait mal, ça me brûle. Bandage. Il y a intérêt que cet été, j'ai des abdos. Hein. Il y a intérêt. Hein. Si avec tout ça, j'ai pas, pour la première fois de ma vie, des abdos, est-ce que vous saviez que j'ai jamais eu d'abdos de ma vie? Jamais. Je vous explique, hein, dès que je vais aller mieux. Je vais couper les cheveux, la barbe, full. Je sais même plus. Vérité, les fratés, j'ai l'impression que tous les événements se passent entre le mois de mai et le mois de juin. Finale de Ligue des Champions, le Grand Prix à Monaco, Roland Garros, les 24 heures du Mans le 10 et 11 juin. Et à mon avis, je dois en oublier, je dois en passer. Je dois en passer, je dois en oublier. Toutes les finales, tous les ci, tous les ça. Ah ouais, en fait, l'année prochaine, je vais me faire un gros kiff. L'année prochaine, je prends entre le 15 mai et le 15 juin un mois détente et je fais tout. Je kiffe. Ouais, pas mal. Juste barre. Je fais quoi les gars? Allez, conseillez-moi. Je coupe, je coupe pas, je coupe, je coupe pas. Je pars seul ce matin, ça y est.